Nous arrivons à Marrakech à la tombée de la nuit. Nous nous dépêchons de laisser nos affaires dans le riad que nous avons réservé dans la Médina. Nous nous élançons aussitôt vers la place Jamaa el-Fna. Et quel spectacle! Musiciens, conteurs, charmeurs de serpents, tatoueuses de henné, dresseurs de singes, tout un monde vivant et bruyant se dévoile au fur et à mesure que nous avançons sur cette place très étendue. Au milieu de cette place, des petits restaurants amovibles dressent leurs stands. Ils proposent une grande variété de nourriture marocaine à des prix dérisoires. Je comprends pourquoi cette place a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant la lecture. Quel est le titre de ce texte? Comment s'appelle l'auteur de ce texte? Que représente la première photo? La deuxième photo? Et la troisième photo? D'après le titre et les photos, de quoi parle le texte? Le titre de ce texte est la place Jamaa el-Fna. L'auteur qui a écrit ce texte s'appelle Olivier Roland. La première photo représente la place Jamaa el-Fna. La deuxième photo représente un charmeur de serpents. La troisième photo représente un restaurant amovible. Pendant la lecture. Je lis et je comprends. J'effectue une lecture silencieuse du texte puis je réponds aux questions. À quel moment de la journée les touristes arrivent? Où ont-ils laissé leurs affaires? Qu'ont-ils vu quand ils sont arrivés à Jamaa el-Fna? Où mangent les touristes à Jamaa el-Fna? Les touristes arrivent à Marrakech à la tombée de la nuit. Ils ont laissé leurs affaires dans leur riad qu'ils ont réservé. Quand ils sont arrivés à Jamaa el-Fna, ils ont vu des musiciens, des conteurs, des charmeurs de serpents, des tatoueuses de henné, des dresseurs de sages. À Jamaa el-Fna, les touristes mangent dans des petits restaurants amovibles. Je m'entraîne à bien lire. Je lis les phrases suivantes avec le ton qui convient. Et quel spectacle! Musiciens, conteurs, charmeurs de serpents, tatoueuses de henné, dresseurs de singes. Et quel spectacle! Musiciens, conteurs, charmeurs de serpents, tatoueuses de henné, dresseurs de singes. Je comprends pourquoi cette place a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je comprends pourquoi cette place a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.